et je veux réparer toutes les offenses que te font les autres. J'étends tes bras divins et je te serre fort sur mon cœur, te priant de bien vouloir imprimer ton image dans mon intelligence, mon cœur, mes œuvres, dans tout. Je baise ta main droite, distribue tes grâces efficaces pour la conversion des pécheurs et donne à tous les fruits salutaires de tes actes infiniment saints. Je baise ta main gauche, imprime en moi tes vertus et surtout ta charité. Je baise ton pied gauche, donne-moi la connaissance de moi-même. Je baise ton pied droit, donne-moi la grâce d'obéir avec promptitude. Enfin, je baise ton cœur infiniment pur. Consume-moi dans les flammes ardentes de ton amour. Mon doux amour, je vois que ces sinistres individus ne te donnent aucun répit et qu'Hérode te renvoie à Pilate. Si ta première venue chez Pilate fut douloureuse, ta seconde l'est plus encore, parce que je vois que les Juifs sont plus enragés qu'avant et que c'est à tout prix qu'ils ont résolu de te faire mourir. Par conséquent, avant que tu ne sortes du palais d'Hérode, je veux te serrer sur mon cœur pour te témoigner mon amour. Et toi, fortifie-moi par ton baiser mystique et par ta bénédiction, et je te suivrai jusque devant Pilate. Réflexion. Jésus, présenté à Pilate, au milieu de tant d'insultes et de mépris, reste toujours doux. Il ne dédaigne personne, et chez tous, il cherche à faire resplendir la lumière de la vérité. Et nous, cherchons-nous à vaincre notre mauvaise humeur si quelqu'un ne nous témoigne pas d'amitié? Quand nous avons affaire aux créatures, cherchons-nous toujours à faire connaître Jésus et à faire resplendir pour elles la lumière de sa vérité? Ô Jésus, ma douce vie, mets sur mes lèvres tes paroles et fais que je parle toujours avec ta langue. Devant Hérode, Jésus se tait quand on l'habille comme un fou, et il souffre des peines inouïes. Et nous, quand nous sommes calomniés, bafoués, insultés, raillés, pensons-nous que le Seigneur veut nous faire ressembler à lui ?